téléspectateurs Diaspo TV, bonjour, bonsoir. Weekend Magazine, rentrez la caillou, c'est toujours avec même plaisir. Weekend Magazine, c'est tout ça qui domine l'actualité à l'an pays d'Haïti pendant ce matin. Avec tout, avec nous pour commenter l'actualité à l'an pays d'Haïti, José Saint-Jean, journaliste professionnel, ancien rédacteur Radio Télé-Guinée, Radio Vision 2000. Josué, nous comptons recevoir sous télévision communauté à Diaspo TV. Merci. C'est avec même plaisir ça, Jean-Pierre, que nous partageons le studio ça avec aujourd'hui avec tous les amis téléspectateurs Diaspo TV. C'est un plaisir pour nous saluer tous les techniciens qui ont fait manœuvre technique là. Donc nous prêts pour nous répondre aux questions. Josué Saint-Jean, pays Kenya campé dendu. Ministre intérieur Kithure Kindiki, se fait connaître pour la police Kenya débarquer dans le pays d'Haïti, dans la tête force multinationale là, il faut que le pays s'ajoute 240 millions de dollars. Jouette pour États-Unis avec Nations Unies. Et c'est une nouvelle qui fait une bombe. Parce que nous tabattons, même si nous tous tabattons, en pile haïtien, et espérons que Kenya finalement t'abrive en Haïti pour te bénir en bourrade, parce que la situation sécuritaire là est dégénérée dans le pays. Donc, avec nouvelle ça, donc, tout espoir, ne pas dire tout espoir perdu, mais espoir pas même j'ai encore, parce que finalement, semble arriver. Et troupes kenyanes pas pour demain, d'autant plus que la situation insécurité est vraiment même totalement dégénérée. Donc il faut attendre un peu plus longtemps pour voir que si 220 millions de dollars ça finalement pays contributeurs notamment États-Unis, Canada, la France mettre le paquet pour permettre que vraiment force à déployer dans le pays, peut-être d'ici l'année prochaine. José Saint-Jean, en pile observateur, en pile monde qui suivre de près actualité à l'an pays d'Haïti, il fait qu'on est que international là, a brûlé nous l'enfarine, a y s'est mêlé. Effectivement, international là lui-même, j'en ai toujours connaît tout pays, c'est pour intérêt pays à défendre. Donc c'est à nous-mêmes haïtiens qui pour prendre responsabilité non pour nous faire pays nous avancer. Ne pas qu'achita attendre, c'est l'autre pays qui a venu pour te coller avec nous pour nous qui pour venir résoudre problème que nous-mêmes haïtiens nous créer. Donc, je pense que 240 millions de dollars, ça, il serait mieux indiqué que 240 millions de dollars, ça, était à utiliser pour la police, là, des équipements appropriés, et des entraînements appropriés qui pour permettre que l'État fait face à la situation, ça. Je pense que la police nationale d'Haïti, les unités spécialisées, si vous vraiment équipé, je pense que, et puis gagner ensuite volonté politique, je pense que la situation ça qui là, n'est pas une situation perdue. Donc, c'est deux bagages qui pour faire là. Premièrement, volonté politique là, faut qu'il là, et puis la police là, et renforcer capacité, et balayer les moyens modernes pour fonctionner, pour l'opérer. Donc, c'est que la police, vraiment, si situation, si condition de société là, oui, la police là-bas est de meilleurs résultats. José Saint-Jean, nous comprenons. Mais qui ça va répondre, moun qui dit, ça fait longtemps, la police là a fait bec à terre, Bazio vient prend plus terrain, vient gagner plus territoire perdu, notamment, Jounen Jodia, qui c'est Mariani. Nous pas qu'à imputer responsabilité seulement avec les forces de sécurité. Donc
la police ça lui-même, moi je crois que pendant passage même temps en Haïti, et moi connais que gagne un pile policier qui vraiment bien formé. Bien formé, la police là n'a pas pile potentialité. Donc il suffit que la police là joigne, ça me dit la motivation, entraînement, équipement, et puis ça faut nous souligner la volonté politique là. Parce que quand au plus haut niveau de l'État, il a cité des noms de hauts dirigeants qui a collaboré ou bien qui gagne gagne par yo. Donc, il est vraiment difficile pour la police à lui-même pour lui bailler des résultats. Parce que la police là, imaginons si CSPN là, la police a gagné des gens qui croient faire, c'est au niveau gouvernement, oui. Donc, ça veut dire la police là, en sorte, n'y prend, non, grenage. Donc, ça veut dire la police là, pas qu'à faire des opérations vraiment réussies, avec des politiques qui entravent et qui entravent le travail. Donc, on apprend que la police a pas fait des opérations bien avant d'arriver sur le terrain. Il y a des opérations qui ont été faites. Donc, ça veut dire que nous pas qu'à larguer tout ça là sous la police. C'est vrai, la police a besoin régénérer, la police a besoin de remembrer, la police a besoin de nettoyage qui fait la donne, parce que il est clair que la police a infesté. Donc, mais nous pas qu'à dire tout, si la police a toutes conditions réunies, nous croyons que la police a capable de résultat et vraiment mettre bandits en hors d'état de nuire. N'a pas rappelé tout, Josué Saint-Jean, la police a pourri, gan pile mauvais grain en dans institution. N'a pas bon côté que insécurité a avalé terrain, za kidnapping yo augmenté, et qui par yel en ria, qui pa ka jwenn yon entente avec acteur politique yo, malgré bonne volonté CARICOM, équipe ça a préparé li pour voye yon liste by mem ACT. Madame Aniga Lantetli qui révolté pour capable choisir 9 moun la l'idée pour mettre campé yon conseil électoral provisoire pour venir faire élection sans condition pas réuni élection ça fait longtemps n'attendait que élection pas faite et nous demandé élection ça quel type d'élection bon bien entendu pendant dernières années ça nous avons compté sur Breton qui élection qui était faite dans de bonnes conditions des élections crédibles donc nous attendons son sort ça a toujours été son farce électorale son mascarade électorale donc et côté que un paquet de population déplacée, notamment Carrefour, mais qui ont une population très dense là-dedans, c'est-à-dire qui était en base électorale. Donc, les toutes populations ça ont déplacé, et pas seulement Carrefour, ils ont une bonne zone dans la région métropolitaine, notamment. Donc, c'est-à-dire qu'au cas, il est à se demander, qui côté élection ça va pas le faire. Bon, peut-être c'est eux même seulement qui gagne secret ça. Donc peut-être monsieur a fait ça c'est façon pour faire le temps passer, faire temps passer pour nous accrocher davantage et sous pouvoir là. Donc c'est ça lié son sorte de manœuvre pour être là le plus longtemps possible. Donc c'est clair que on connaît que pas gagne élection vraiment qui ca fait qui côté bureau électoral ça on va le faire qui côté centre de vote ça on va lier OK donc qui non on connaît condition vraiment même le strict minimum il pas réuni pour gagner élection dans pays ça donc c'est comme on connaît que international la met pression donc il a essayé faire semblant ça lui faire semblant donc oui il y a une volonté pour faire élection mais il connaît que
ça n'a pas abouti à rien de concret. Gen député américain, Sheila Sherfilus McCormick, lui fait connaître que la FOC PM Ariel Henry a démissionné pour PITA 7 février 2024 parce que pendant plus que 2 ans, il passait sous pouvoir, il n'a pas de résultat. Alors que BINU, nous voulons parler de Mme Maria Salvador, lui dit pas qu'il sa pièce. Ariel Henry a prêté jusqu'à ce qu'elle fasse élection et André Michel, qui a souci en de pouvoir, M. Coré déclaration, responsable BINU, le pays d'Haïti. Et c'est malheureusement actuellement en Haïti les forces de pression n'existent plus. Bon, donc Ariel Henry, bon, il n'a pas aucune redevance avec la population, puisque il n'est pas ni élu, il n'est pas ni nommé. Bon, donc c'est un monde à la faveur d'un tweet de l'ambassade américaine et puis les rivés là. Bon, ben, les rivés là, donc il n'y a pas gagné contre pour rien à personne. Sinon, non. José, ma faute, c'est campé là. C'est vrai, monsieur a parachuté son tweet qui mettait là. Mais finalement, qui l'a rien à rebraler? Ariel Henry n'a pas arrêté l'entier pays à sans pas de résultat indéfiniment. C'est ça, M. Zola. Non, ou dis-moi, il n'y a pas de compte à rendre. Non, l'homme n'y a pas de compte à rendre. Il faut comprendre dans qui sont les lignes de pensée. Tel que le fait pour un dirigeant qui a de compte à rendre avant, c'est là que tu es dans l'élection, tu es voté ou bien tu es normal. Mais, ça veut dire, Ariel Henry, nous connaissons dans quelles conditions il est sous le pouvoir là, il est arrivé dans le pouvoir là. Donc, ça veut dire que c'est Américain qui est placé là. Ça veut dire que contre le rendement, ce n'est pas avec la population qui va le rendre. La population qui est mettre là. D'ailleurs, nous, passivité et Ariel Henry à tout gouvernement là, face avec situation qui se passe pendant des années, au casse-cas. Cafoufeuille, après du feu, il pas levé le petit doigt. Tout on sait de l'actif. Et crime a fait, population a pris l'amour. Oui, Ariel Henry, le gouvernement n'a pas bougé le petit doigt. Donc, ça veut dire que, entre les lignes, nous comprenons que ça veut dire que ça qui a passé là, pas intéressé. Donc, ça veut dire que son seul et autorité que l'ICA rend compte, c'est le monde qui était nommé. Raison de plus, Josué. C'est pas peuple qui t'a voté, monsieur. C'est pas peuple qui t'a élu. Ça veut dire, peuple là, n'importe là, commandé pour Ariel Henry y aller. Au moins, si Ariel Henry t'a travaillé dans l'intérêt de la population, hein? Vous comprenez? La population t'a mourir pour lui. Le fait que monsieur a bien travaillé. Mais, pas comprendre. Finalement, c'est pas qu'à tout le temps, c'est les États-Unis qui a dicté ça pour faire dans le pays d'Haïti. Qui la population a sous qui colle là? Non, mais si ça fait dans le début, on te dit, malheureusement, les forces de pression que n'ont pas existé encore. Ça veut dire tout un sait de monde et partis politiques, leaders politiques soi-disant, qui étaient qu'on a pris les peuples à la mobilisation. Ouais, qu'on est là, c'est on pas attendre du tout. Il y a de l'autre côté de la barricade. Comprenez? Ouais, il y a de l'autre côté. Donc ça veut dire que tout là lui-même qu'on est là, il a gué pour contre. Dans tout déboire, dans tout problème, c'est peuple là qui a fait face avec qu'on est là. C'est peuple là, c'est population hein, qui doit jouer une énergie, ressources nécessaires pour yo sorti tête yo pour yo chavirer situation que là je dis. Donc ça veut dire que si c'est pour regarder Ariel Henry a fait 10 ans là, mais faut bien rêver là et mais rêver ça comme côté la sorti. Donc c'est ça puisque nous voyons que dans situation peuple ailleurs c'est ça fait mettre là peuple pour à gauche courir à droite qu'on y a là, c'est survie à population à chercher. Donc mobilisation, hein,
nan moment ça nan circonstance ça li pa possible d'autant plus que gang envahit pays a tout côté c'est kidnapping c'est tout on sait de c'est traqué et bandi a traqué population et puis de plus en plus ouais a prend territoire donc rivé à une grande mobilisation pour ta chavir statu quo pas dire impossible mais il paraît vraiment difficile à l'heure actuelle El Jean-Pierre pas gain menti dans ça en attendant Ariel Henry France LB yo continuer à passer population dans salami selon diverses organisations droit moun selon majorité société a imaginez monsieur Odi a cherché vite l'homme innocent chef gang même gens avec les États-Unis qui mettaient $1 million sous tête monsieur a alors que monsieur a l'entorsel l'encroisade la bloué Chris là vraiment nèg ici qu'a passé moun la jouette mon cher son journaliste professionnel grand prix l'expérience moi même nous t'es sous terrain nous parler avec un pile monde nous connaît situation vraiment nous connaît vraiment monsieur yo, c'est yo pas sérieux dans sa rapia donc comprendre yo bon discours pour le grand public mais en backstage son l'autre bagaille à faire. Donc yo connaît c'est pas vrai. Les citoyens li là nan j'en dis dans quartier général li fait ba conférence de presse li on voit monsieur pas dans cacher. Donc si c'est vrai, yo t'a cherché le même genre yo t'a mis à vide recherche quand on sait de l'autre chef gang qui très puissant en dans pays a cap théoriser population cap trouver population. Yo t'a besoin yo on voit non. Donc moi même pas j'aime fier ma parole ni autorité haïtienne ni autorité étrangère yo comprendre les petits des bagages moi même tendez ça au dire mais vraiment passer nos oreilles ils sortent dans l'autre oreille puis je me connais c'est pas vrai en pile fois c'est de l'hypocrisie donc monsieur ça capé opérer dans pays a cap théoriser population ça fait bien longtemps. C'est vrai, c'était une volonté politique et bagala pas d'arriver jusque là. Donc si et pays étranger ça qui soi-disant dit c'est amis pays d'Haïti, si vous voulez aider Haïti sorti dans sa lié là, vraiment gain de beaucoup de meilleur t'a même gens ouais yo y a pas Israël coûte mais y a pas Ukraine coûte mais y a pas tout on sait de l'autre pays coûte mais pour goumen donc tu la police pas non la police pas non si un brillon là mais qu'il là il t'a permettre que nous joindre des équipements appropriés des entraînements appropriés pour nous faire face à cette situation là qui aujourd'hui qui rive non phase bon mon cher c'est côté n'a dit que tout territoire s'est perdu donc c'est bien avant c'était des dispositions que tu prends. Bon, c'est aujourd'hui à la nous pas là. Moi, je joins nous, José, parce que le ministre de Justice a été dit, il a annoncé la couleur en pile territoire pour aller perdre le pays d'Haïti et il a continué à perdre. Dans pour notre dossier, dérespectant, arrogance, fréquentité, l'armée dominicaine qui viole toute bout de terre. Boute papa de Salina, nègou traversé frontière hélicoptère militaire Abinader qui selon observateur yo joine support international là déclaré Haïti la guerre selon divers professeurs dans le pays d'Haïti les affaires droit international et bon relation et Haïti avec République dominicaine c'est des relations qui étaient toujours très tendu, comprendre. Donc, c'est bon, c'est presque normal que deux pays qui viennent même frontière toujours gagnent des petits problèmes, ok. Mais malheureusement, beaucoup de pas nous, autorité pas nous, pas jamais zone frontalière là, pas vraiment pas jamais moi qui disposition pour sécuriser zone pas nous, comprendre. Donc il était toujours bouqué et Dominique était toujours à faire des incursions sur territoire panouan. Donc ça c'est toujours parlé dans le temps.
Mais qu'on y a là, avec question canal ça qui a fait là, donc on voit que l'autorité dominicaine vient de montrer de plus en plus menaçant, parce que canal ça qui a fait là, les entiers dérangés. Donc le fait que les dérangés, non, au point de vue diplomatique, et notamment, donc ça vient de faire que eux-mêmes, qu'on y a montré, il y a souci, il y a mettre griffe yo dehors pour montrer que vraiment yo même yo gen puissance de feu, yo capable par la force fait back. Donc malheureusement beaucoup t'es pas nous actuellement pas gagne autorité qui ka ba aucune réponse là pas obligé réponse n'est pas ta réponse on réponse armée ou bien on réponse militaire n'est pas ta obligé ça mais il y a des canaux diplomatiques nous capable utiliser pour nous faire et République dominicaine et fait back sous arrogance ça on voit donc malheureusement nous demain vite ça sont nous sont équipe Simon qui l'a gagné non qui l'a gagné dans la cour pas quelqu'un grand monde et qui capable voyager sur nous donc et République dominicaine prend avantage sur ça et nous très faible à tous les niveaux donc il a montré que il a arrogant il se seul mettre à bord OK mais pense que on pas connait si c'est dans 10 ans 15 ans 20 ans donc n'a pas mesure que on a bien des autorités vraiment en place. On a bien des organisations et sociétés civiles qui sont vraiment solides. Et on a en mesure pour nous bailler une réponse, même si ce n'est pas une réponse armée, mais une réponse diplomatique. Même regarder même au niveau de la presse, on parle de la presse haïtienne, il y a vraiment la presse haïtienne très faiblarde. Comme si on regarde dans le journal dominicain, il a écrit des articles, pour dire qu'il y a comme si. Il y a beaucoup d'autorité par yo. Mais on regarde nous-mêmes, mais on regarde le journal nous, yo, bien entendu. Bon, ouais, ok, nous très timides, comme si pour nous prendre des positions en faveur de Haïti. Donc, ça veut dire que nous sommes un pays qui, dans le moment, à tous les niveaux, non faibles. Donc, n'était-ce pas que bravo, monde qui est sous zone on a météo, qui vient joindre des solidarités. Donc, c'est que le travail, ça, qui a fait là, bien que moi-même, il y a pile réserve sur les toujours. Mais, les pas privés, dans la phase de là. Parce que pression, qui sont aussi bonnes autorités dominicaines, mais ajoutées à silence, ma base de silence complice, monde qui est au pouvoir en Haïti. Donc, pour gérer ça, il a déjà campé dans la route. Vous faites un très bel constat, Joseph Saint-Jean, diplomatie nous en pas bon, mon confrère qui toujours aimait répéter ça, il n'est pas la hauteur de dimension Haïti. En plus, ou senti que Ariel Henry avec équipe li j'en dis ses positions qui mêlent le moment que Abinader a tout fait nous capable dit que Abinader tellement a tout fait nous il était fermé frontière dans l'espoir pour grand goûter tout les haïtiens se bloquer frontière à tout pour matériaux de construction pas traverser saute la Cali aller dans pays d'Haïti jeudi haïtien a cherché l'autre alternative. Yo prend chemin la Turquie avec Brésil pour yo acheter matériaux de construction pour rentrer en Haïti. Moi même t'es en Haïti nous t'es con matériaux de construction nous t'es con produit ça ou bien fabriqué. Par exemple là prend fer nous t'es gagné acier d'Haïti qui t'es con à produire en Haïti même bon moi-même époque de construire en Haïti c'est qu'on a acheté fer là dans la série d'Haïti nous avons ciment d'Haïti nous avons fait ciment là quand même comprend donc bloc qui est bloc tout bagage ça nous avons produit un paquet de bagage donc je dis là c'est malheureusement et tout ça nous a consommé en termes de
bien en termes de bagages pour nous manger. Et c'est en République dominicaine qui nous sortit. Donc, moi-même, bien avant la situation ça produit, moi-même, dans des forums de discussion, dans des interviews, j'ai toujours dit ça. Je dis, après un moment que la République dominicaine a colonisé nous, tant qu'il n'a pas besoin de tirer un pétard, vous comprenez? Puisque actuellement, c'est eux-mêmes qui ont formé le monde pour nous, des centaines de milliers d'étudiants l'autre bord. Hein? C'est eux-mêmes qui ont produit manger pour nous. Ça veut dire tout ça, nos besoins, ça veut dire haïtiens, traverser l'autre bord à investir dans l'immobilier, dans toute qualité d'activité, vous comprenez? Donc, ça veut dire que nous arrivons au moment et pays nous a ajouté insécurité à, qui était venu dégénérer. À, donc, tout un paquet de monde obligé de traverser les frontières. Donc, dans ce sens-là, ça veut dire pied dominicain venu sous coup, non? Donc, ça veut dire que nous, votre nous, survie nous, dépend totalement de la République dominicaine. Bref, qu'on y a là, bon, c'est normal, il faut nous chercher d'autres alternatives. Donc, quel soit l'autre pays qui a offert et nous a fait commerce avec eux, c'est très bien, mais il était important que c'est nous-mêmes qui pouvons dire peut-être pas nous. Ouais, donc, c'est ça. Cabane ont certaine autonomie. Donc, si nous pas fait ça, quel que soit l'autre pays, je vais décider par là avec nous encore, on a tourné dans le même problème là. Donc, ça veut dire que c'est effort pour faire pour arriver. Production, ça arrive, production nationale là. Production nationale là à tous les niveaux, en termes de agriculture, en termes de biens et services. Donc, je pense que faut qu'il y ait un moment, faut nous sortir dans ce sanier là. Crise politique. Est-ce que c'est crise politique? Bon, oui, c'est vrai, une grande crise politique parce que nous n'avons pas grand-qu'un élu là. Et puis, criminalité, insécurité et criminalité qui est là. Donc, faut nous soucier là-dedans pour payer à rejoindre voie de normalisation. Weekend Magazine, on observe la pause. Nom c'est Alan Daphnis, pour le avocat Roger Tusky et Matthews. Sous gardez, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui gagne propre caille par où, ouais, qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mais il a craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui voit que c'est dommage ça, qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie, va encourager pour relever le bureau avocat Roger Tusky et Matthews. Il a voyé un public audience pour évaluer dommages qu'on a subi en dedans caille là. Le pape charge pour ça. Il a pris ça en charge et les compagnies assurances là pour capable faire voir l'argent pour réparer dommage qu'on subit en dedans Kayoa. Son gérer les avocats Sam dans bureau Roger Tusky and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge aux 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dit c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relève. Fais ça Kounia. Relève avocat Sam Roger Tusky dans bureau Roger Tusky and Matthews, 954-995-3805. C'est 954-995-3805. Téléspectateurs, Diaspo TV, nous retournons après pause là. Weekend Magazine, c'est tout ça qui domine l'actualité pendant ce maintenant, l'an pays d'Haïti, avec un invité trié sur le volet. Nous saluons tous les amis qui branchent Haïti Tropical dans Orlando, Radio Nouvelle Lumière dans Boynton Beach, Radio Delta dans New York City, Radio Énergie dans Boston, tous les amis qui recevront nous tous sur les réseaux sociaux. Josué Saint-Jean n'a pris un autre point dans l'actualité, qui c'est dossier assassinat, président Jovenel Moïse, juge Walter Wessel Voltaire, cap travaille sous dossier dans le pays d'Haïti, nous se fait une semaine États-Unis, ça le tal réglé, nous pas connaît. Bon,
juge en tant que humain professionnel, il a un droit à des vacances peut-être. Donc il a un droit à voyager. Bon. Malheureusement, nous pas jamais connaît ça juge à être négligé, mais vous pensez que bon, les cas entrer dans le cadre d'un voyage normal, donc nous pas qu'à opiner trop sur ça parce que c'est pas la première fois que j'ai jamais voyagé. Donc vous pensez que le cas entrer dans le cadre d'un voyage personnel ou bien d'un voyage professionnel, donc c'est bon, il n'est que d'attendre. Pas oublier tout, José, enquête là, l'a mené États-Unis. Est-ce que M. Pate mouté l'enquête sanré les entraides judiciaires là? De toute façon, Joseph Félix Badio, que nous relé, yore le l'en pays d'Haïti, suspect numéro 1 l'enquête là, selon rapport des CPJ, M. Mandé pour le confronter Léon Charles avec ancien ministre justice. La pays d'Haïti qui c'est Rob Feller Vincent. Bon, moi c'est que c'est moi c'est que c'est normal, faut que dans dossier comme ça faut qu'il y ait des confrontations qui faites. C'est à partir de là on va des éclaircissements, on prend des points intéressants. Donc moi c'est que c'est ça, les normal. Donc, tu n'as pas qu'à faire, ton procès n'a pas qu'à faire sans pas gagner des confrontations là-dedans. Bon, ben, bah, c'est juste l'instruction lui-même. C'est pour bien mener l'instruction, même, bon, bah, en spécialiste dans le droit, non. Même parce que vraiment, et pour quantité de noms qui cité dans le dossier, ça, confrontation, les vraiment important. Donc, ça permet que juge Lagon une meilleure idée de ce qui s'est passé à vraiment. Dossier kidnapping, cap valé terrain dans le pays d'Haïti, la police fait un gros coup, côté que 7 kidnappeurs tombés dans Delma 33, 7 en moins. Oui, parce que la police, de temps en temps, fait quelques bons coups. Bon, c'est vrai, Bandi yo même y a frappé, mais la police de temps en temps a bay réponse. Et ça fait me dit pendant tout au cours de interview, si la police des moyens amène li capable de faire face à Bandi. C'est vrai, Bandi yo gen des armes de guerre, des bay, oui. C'est vrai, parce que j'ai des moyens, des gros moyens en main, mais moi-même, je crois, si j'ai une volonté politique là, si je baille la police là, moyen, bandit a besoin de réponse. Situation là, l'irranger un paquet de monde. Puisque grand paquet de monde, il dit que c'est en notre trouble, il y a péché. Donc, ça veut dire que situation ça, il est bénéfique pour ces deux mondes. Et ça permet qu'on ensemble les pays à tête en bas comme ça, ça permet que qu'on bonne notre trafic qui fait. Donc si ça fait que yo confortable dans situation ça qui passé là, donc moi c'est que Jean Zola là, si l'État n'a plus au niveau de TV stopper ça, donc il y a des dispositions d'appoint au niveau de la douane, au niveau frontière yo. Mal Dieu t'a bloqué trafic là net, mais au moins il t'a réduit considérablement flux d'armes qui a déversé sur le pays. Justement, et c'est l'optique ça tout, droit moun passer en bas pied en pile dans le pays. Gemet Mario Joseph BAI qui dénonçait ça, sans oublier RNDDH qui mandait pour ministre justice à sanctionner commissaire gouvernement Port-au-Prince Jean Edler lundi. Et qui passe l'ordre pour massiner yon militant politique. Bon, question droit moun nan. Dans le pays d'Haïti, c'est pas. Bon, c'est le cadre des soucis des autorités.
Et on prend gens, on sait de mon à vivant dans le pays, donc doit mon ça pas respecter. Il y a plein des monde bandits à tout et pas si pas là. Donc c'est ça autour, c'est doit mon pas respecter. Donc moi c'est que ça commissaire ça accusé commissaire gouvernement pour tout prince, c'est pas même au bout de l'eau dans l'océan. Vu de atrocité qui a passé dans le pays, ça gang qui a tout le monde passé par là. Moi, je pense que je suis pas d'accord à ça que le commissaire gouvernement a fait ça. Mais si nous avons une violation de droit monde qui passe sur le gouvernement avant, journal, nous pas d'un côté pour nous écrire, vous comprenez? Mais nous pensons que droit organisation de droits humains, bon, c'est normal pour vous dire ça, mais je pense qu'il faut mettre plus accent toujours sur la situation de l'autre monde, notamment mon Kafoufeu, dans la situation de mon Matissan, tout l'autre monde. Je pense que c'est vrai, il faut organisation de droits humains parler de commissaire gouvernement qui t'a fait, qui t'a commis faute ça, mais l'état plus important. Pour situation moun yo qui déplacé qui vivre dans des conditions exécrables, ben c'est l'état mieux que organisation droit moun yo ta plus focus sur ça, yo ta rendre pays à plus service. Premier ministre Ariel Henry sous l'ordre qui est nous pas connaît, monsieur bloqué voyage Nicaragua, Canada annoncé la recevoir plus face 10 000 ressortissants étrangers parmi yo haïtiens. Parole ambassadeur Canada en Haïti, André François Giroux. Bon, c'est le bon secret pour personne. D'ailleurs, ça allait tourner monnaie courante. Haïtien cap quitté pays ça. Donc, on est une époque, c'était Brésil. T'es une époque, avant ça, c'est Saint-Domingue. Chili. C'est au moins. Donc, moun kap kite peyi a c'est pas les moins, c'est des cadres intermédiaires, des moun qui t'a mené en vie plus ou moins décent en d'un peyi a qui vont côté bon j'ai une situation yo kidnapping toute qualité ba capacité dans peyi a peyi étudiant crème jeunesse là donc ça dit ça qu'a fait ça là. C'est du pain béni pour ces deux pays qui joignent des ressources presque sans pas dépenser un centime qu'a vu joindre. Regardez dans programme Biden dans tout conseil de programme qu'a fait des jeunes même constaté dans zone côté mais là dans Chicago m'a regardé des jeunes qui rentrent bon ici là, c'est des jeunes qui vraiment bien formés. Comment qui quitte pays a, même j'aimerais même te gon époque quitte pays a, même j'aimerais même te gon époque quitte pays a. Donc, ça veut dire que fuite de cerveau ça, li a accéléré. Bon, c'est pour le malheur de notre pays. Donc, regardez des médecins, des ingénieurs, des agronomes qui quitte pays ça, des journalistes, bon, nous pas raconter yo. Bon! Et l'autre pays yo même yo connaît ça pour faire connaît un pays pas qu'à développer sans ressources humaines, il y a pour faire bra pour prendre. Donc tant que mon yo dit c'est sorte qui ba imbécile qui pas prendre. Donc pas gain mentir dans ça Josué, l'avenir pays d'Haïti très menacé, insécurité alimentaire en Haïti, Banque Interaméricaine Développement BID li approuvé une subvention $50 million pour y a des monde qui plus vulnérable en pays a côté misère grand goût à valer terrain. Bon, même si de subvention ça même toujours. Bon, c'est bien par exemple si gain toujours prend ou à pincette. Toujours prend ou à pincette parce que comme ça autant de dans radio bien ouais gros cérémonie fête autant d'un paquet de millions débloqué. Mais loi sur le terrain. Loi sur le terrain, par exemple, ouais, résultat, yo. Bon, nous gagnons, par exemple, tremblement de terre, là, côté que de gon bonne cop qui était annoncé, un bonne cop débloqué, mais, loi chercher et résultat sur le terrain, par elle. Donc,
et on paquet comme débloqué et c'est à tout gen moun qui nan misère. Donc même pour que et pays ça yo faut que vous moment à faire aide humanitaire là. Mais je pense que pas grand pays qui a développé à aide humanitaire. Bon, c'est permettre que banou vraiment de gros bourrades pour permettre pays à soutenir instabilité politique là et puis faire de gros projets de développement qui pour permettre que pays à soutenir dans stade là. Donc question humanitaire moi-même quoi et Dieu comme faire et question humanitaire là il pas cap résoudre problème là. C'est sort là c'est investir dans agriculture, faire de gros projets qui pour permettre que nous soutenons ça nous hier là, parce que avec aide par un pays qui capable vraiment soutenir dans misère avec aide humanitaire. Très bien, Josué, avant dernière question là, grève 4 en main dans EDH, blackout pirate, employé ou décidé tant mais grève une autre fois encore. Pour demander l'État pays yo plus passer 6 mois à virer salaire. Question m'a vie posée, là me connaît la difficile pour répondre li. Est-ce que Ariel Henry lui-même, li pa jamais touché avec équipe li parce que nèg sa ou dans l'État, yo gen gros avantage, yo gen gros privilège et depuis il fait 26 la mois pour pita, nèg yo touché. Bon. Moun ki gen bœuf là. Moun ki gen bœuf la ou men moun ki met bœuf la, ta di la tout gen let la ka li, la tout gen fomaj la ka li. Comprenn? Donc, en pile fois c'est moun kal bay bœuf la manje ya, kal bal doa, fol tan nan pile le met bœuf la fin manje, brelet manje fomaj, et puis si gon miet la jwenni, en pile fois. Donc, ça dit que employé l'état yo, et c'est pas la première fois, ça a répété depuis plusieurs années, que ce soit ces professeurs de l'école, que ce soit ces mon EDH, que ce soit dans l'autre institution, il est toujours levé, c'est levé quand affaires sociales, c'est levé campé pour réclamer arriérer salaire. Non, bon? Donc c'est dommage et pour mon à travail, l'obliger c'est grève pour le faire, pour le toucher. J'en dis un, mais autorité eux-mêmes, y a rien quoi non mais y a rien budget voté pour y a rien toute qualité rentrée. Bon, y a fait la part belle. Bon, si malheureux eux-mêmes cap toucher un miette, y a doué un an, 6 mois, un paquet. Au condamné des professeurs qui réclamer 12 mois à y salaire. Donc, c'est dommage. Et institution ça yo qui les notamment institution que les DHS sont institution qui existe que deux noms parfois mandé qui utilité institution ça donc ça va veut dire pour autant mon cap travail là-dedans pour pas toucher donc parce que et DHS même là en paquet institution yo dit institution qui autonome donc c'est l'état puisque c'est institution autonome l'état doit en mesure et répondre à vos besoins, notamment en termes d'équipement, en termes de pays employés. Donc, je pense que d'ici la dernière là, on a fait 11 ans pour permettre d'employer ça, joindre un petit comme ça, pour permettre que au moins, pendant fête d'année ça, même si on n'a pas fêté, mais au moins, tu es capable de faire des gestes à tête, à famille et à proche. Josué, un journaliste nouveliste, Robertson Alphonse, monsieur qui a une belle plume, il y a meilleur la génération par là, monsieur nominé là pour prix courage RSF. Vraiment, nous souhaitons que monsieur remporte la maillole. Monsieur. Ou bien oui, c'est parce que moi j'ai eu une chance et j'ai eu une époque que Robertson Alphonse nous te font coup de collaboration dans Radio Guinée. Nous te font passer dans Radio Guinée
époque ça me donne radio Guinée tout et mon cher vraiment son type très de bien un très belle plume mais tout en m'a demandé que est-ce que moi-même tout monsieur pas influencé même si un paquet de monde qui influencé parce que dans métier on travaille un paquet de monde qui a de belles plumes comprennent. Et mon cher Alphonse, l'aime des nouvelles là, me dit bravo. Puis je grand paquet, il y a des autres journalistes qui méritaient ça, oui, qui t'a mérité le mais je pense que Robertson Alphonse et pas bien contestation dans ça vraiment et monsieur sont très constants. Monsieur vraiment et wow, même me souhaite le meilleur pour lui-même. Donc son ami. Et vraiment, mon cher, moi, je souhaitais les. D'ailleurs, le fait que le nominé, c'est déjà. Et ça a déjà montré que vraiment, et travail a fait une dimension internationale. Bravo. Mon cher, je souhaitais que prochaine bonne nouvelle là, que les rapporter pour hier. Justement, nous-mêmes, la radio Nouvelle Lumière, Diaspo TV, tout, nous souhaitons ça. Et nous avons eu une chance de collaborer avec Robertson Alphonse pendant un certain temps. Là, ça, nous tous les deux avons fait coup dans l'ISNAC, une école de communication. Richard Deville avec Berman Gay a dirigé. Merci José Saint-Jean, où tu es disponible pour télévision communauté à Diaspo TV. Bon week-end. Bon week-end à vous-même et Enspierre. Bon week-end à tous les téléspectateurs et techniciens. Et pour rester là, prochaine fois, nous invitons dans le studio. Merci bien, nous souhaitons ça. Merci bien. Weekend Magazine, Rivé Lamboutli. Nous sommes contents de servir aux amis téléspectateurs, auditeurs, monde qui branchent tout sur Internet là. Nous disons merci à Jean-Marc Romelus qui, comme d'habitude, font un travail exceptionnel. Rete branché, télévision communauté à Diaspo TV pour suite programmation. Bon week-end. Je m'appelle Jean-Ernst Pierre.